tangwe koki yo 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 tangwa ngoya ngoyo tangwe koki yo 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 tangwa ngoya ngoyo e koki papa Stéphane bala mwange oyeye Messieurs, dames, le président de la République au niveau de Luanda pour parler bien sûr de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est le premier sujet. Joseph Kabila consulte à Kindakati, mais c'est pour quelle finalité? Deuxième sujet, troisième sujet, nous allons parler du tout-puissant vice-gouverneur du Haut-Katanga qui peut séquestrer tout le monde quand il veut et à tout moment. Oui, dans le Haut-Katanga, il y a déjà un monsieur tout-puissant. Vous devez le savoir, nous allons parler de lui dans cette émission. En dehors de ces trois sujets, nous parlerons de la sortie médiatique ratée de Monseigneur Cholet qui a dit Bango bazo soutenir bato baza faible comme ba soutenaka papa Étienne faible na tango na kala. OK, donc il devait savoir soutenir banda kala et pas il y a l'église catholique 5 étoiles ba pour azaka faible. Maintenant je me pose la question, c'est celle de savoir est-ce que na combat nyonso il devait amener na mboka na biso azaka vraiment faible. OK. Pourquoi le président Tshisekedi a peur de l'église catholique? Pourquoi il ne veut pas dire seulement que moi et vous, c'est fini? Ça, c'est la question que les gens de Salomon Kalonda se posent. Toutefois, vous aurez des réponses dans cette émission. Je vous ai dit, Tokotika Makamomatali Kasumbale Sate, Tokotika Makamomatali Kalamambou Jute. Là, vous allez suivre ça à la fin de cette émission. Deuxième numéro du jour pour Stéphane Balamwangé sur Tango Koki RDC. C'est Joël Kitten qui va analyser et moi je serai là juste pour mettre un peu de mungwa, de pilipili, de ndembi, de aïe, de tangawisi pour y salamo moi sauce. Yoka sauce. Tata Boni. Ah ouais, merci pour l'invitation de Orangai. Ouais. Bote pepa ba Congomani puisque le Congo nous passionne. Mm. Et c'est ce qui nous intéresse déjà. Et ouais. Puis. Bande Konyonso Bazako Benga, à partir de chaque coin du monde, j'ai pu avoir une longue conversation avec un compatriote qui vit depuis 28 ans au Japon. 28 ans au Japon. Qui a épousé même une japonaise. Donc, on a des fans au-delà de nos limites. Ouais, ouais. Au-delà de nos limites. Et je ne m'attendais pas à recevoir un appel na Bolivie. Bolivie. En Amérique latine. Waouh. Je me suis dit, Mbokani no Congolais Zangi. Congolais partout. Et j'ai l'impression que Bato Baza Mingi n'a l'ifé le Zaraba Congolais. Bato Baza l'ifé le Congolais. Mais Mingi Mingi Ba dirigeant. Ça, je vous dis, tous les dirigeants, la plupart des gens qui dirigent au Congo, leur place n'a l'ifé le. Montoli Bosso, vice-gouverneur Yao Katanga. Celui-là, M. Jean-Claude, sa place, c'est un enfer. M. Jean-Claude qui? Je ne me suis pas intéressé à connaître son nom pour ne pas tomber dans ce que les autres veulent, Biloka Batriba. Monsieur Jean-Claude Assalini. Monsieur Jean-Claude était invité à Kinshasa par le VPM Peter Kazari. Oui. Pour des raisons professionnelles, puisqu'il y a des choses qui sont mises à sa charge. Mmh. Télégramme et Kendeli, tout affaire se centre. Il m'a formé la ministère de l'Intérieur avec Abango. Full stop. Full stop, tout affaire se centre. Ma position aux Ali, Yak. Kinshasa. La foutu un peu bien hein, comme tout autre passager, donc. Pour aller au lobby à la Kinshasa. Vol et assez à la Ozo Salamingi Mingi Lumbashi pour le moment. Et ça à Airbus. A330 na Bangwana Airbus qui compte 350 passagers. Automatique, ça la Michopo. Donc le monsieur, je ne sais pas s'il a passé une nuit entre 3 ou 4e, 5e bureau, je ne sais même pas. Où il était dans un début de boisson, je ne sais pas. Le vol était bien déterminé, un vol commercial. Il n'a pas loué un vol. Mmh. Il devait voyager comme tout autre, puisque net, il son retour. Tout le monde a sénateur Moulongo, tout le monde a Tony Mwaba, hein, avec vous là, Tony Mwaba, dans le même avion. Il y a des ministres, il y a eu des sénateurs. En allant au Tanakananga, tout le monde a professeur Mbata. Donc, toutes les autorités viennent bonnement à l'air. Ou checking et bandaka, va service à protocole d'état font tout ce qu'il va faire. Non, mais le tout puissant vice-gouverneur reste là où il pouvait. Ni checking, ni quoi, bafongoli pré-embarqué, ma bafongoli comptoir,
Babandi qu'on s'est enregistré comme on le fait là, ou l'équipe Boye, ou l'équipe DGM, GoPass, et tout, tralala. Le monsieur n'est pas à l'aéroport. Entre-temps, les communications du service de sécurité informent la CIA que non, écoute, il y a un vice-gouverneur parmi les billets qu'il y a là qui doit voyager à Kinshasa, mais jusque-là, on ne le voit pas, on l'atteint. Même ces services ne sont pas venus pour faire le checking à temps, donc le protocole n'a pas, même assistant n'a pas. C'est un monsieur désorganisé, parce que quand une autorité voyage, souvent, il y a hôtesse, il y a cabinet, font tout pour les autorités. Moi, nous avons déjà la chance qu'on travaille, puis même il y a pas compte. Mon conseil est qu'à côté de mon comptoir, il était boué déjà dans le passeport. On a voyagé avec le ministre d'État une fois. C'était le protocole d'État. Protocole d'État qui faisait ils tout. Ils font tout. Et qui... Même pour moi, là, on a vu. Exactement, qui arrange. Oui. Déjà, la ministre a quelqu'un dans le salon d'honneur. Oui, on a vu. Voilà. Papa, il revoit les alliés. Allez, tout droit, les conduisant à place où il y a. Donc, monsieur le vice-gouverneur, il y a Okatanga. Nous avons aussi, il y a voyagé avec beaucoup d'autorités que je me réserve de citer leur nom. Salutations, Binonios, Autovoyage, Anabino. Donc, à ce niveau, le monsieur n'a envoyé personne. Personne n'est venu faire le checking pour lui. Mais néanmoins, il était dans le manifeste comme qui il a acheté le billet. Bon, il fallait que Lumbakuna, à 14h30 ou 25 minutes, donc 15h25, il y a Lumbashi. Il y a Lumbashi. Il y a 15h25. Exactement. Il y a Ekoya, Basisi checking, Bambarke Batunyos, pilote Abandiko Zela encore 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes d'attente, ça veut dire 16h. Heure de Lubumbashi, 15 heures de Kinshasa, il y a un monde à la terre. Quand tu as le but aux vols commerciaux, il dit non, mais tu as vendu à plus de 30 minutes. Imagine un embarquement. Na y a départ, plus embarquement avant départ réellement. Au moins, on dit qu'on embarque à 15h moins 5. Puisque 25 minutes, on a permis de nous faire vanda et ma consigne de sécurité, ma manœuvre et tout ça, l'avion décolle. Ils vont faire presque une heure du temps dans l'avion, dans l'aéroport. En tout cas, on a voyagé à 2 heures du temps quand on est Lubumbashi, Kinshasa. Tout le monde s'est patienté. Le pilote dit non, mais en tout cas, à ABC, chef d'escale, vous devez lui dire qu'il doit se conformer à la loi qu'avion des avions commerciaux. Plus nous laissons en piste, tout ça, on a battu sur le coup de renervé. Puisqu'il faut de l'ongoa. Espace éthique à la police, bah vieux mususu, et bah n'engue à coquille tapé comme ça la manœuvre. On a tout chacun, il me dirait, il y a qu'au vendre à l'aérogare, il y a qu'au stationner na awa na aéroport. C'était un aéroport international de Lumbashi. Et à ce titre, le type a lui bolongo l'échelle, bah quand il y a vieux bah décoré bah qui, il y a à côté. Le commandant de bord a tomboli. A tomboli na avion accueilli. Oui. Avion accueilli, il y a aïe. Ah vice-gouverneur aïe. Oui. Vous devez dire l'avion va t'en habiller. Avion commercial, il y a 350 passagers. Bah, c'est là, yo. Okay. Oh, je suis le vice-gouverneur. Mais non, à vos clients. Nous, nous sommes une compagnie. Et nous t'embarquons comme client, mais pas comme vice-gouverneur. C'est ça la question. Bah, tu vas pas qu'on confonde. Oui, oui. L'avion, c'est une compagnie privée. Il y a qu'on loue comme un service non voyager. Aux vice-gouverneurs, il y a CAAT. Aux vice-gouverneurs, il y a Katanga. CAA, c'est une compagnie d'aviation. Très bien. Ils font les affaires. Ah non! Madame Mana répondu à la Kamati. A ordonné ce service, on a torturé cette dame, bah, tiens, na kofra moutoukanae. Donc, on a pris la dame, bah, tiens, na kofra moutoukanae, na kofra moutoukanae, une vieille dame, ti na gouvernora. Na vice-gouverneur, ya Okatanga. Ya Okatanga. Amemie, ti na gouvernora. Amemie, ti na gouvernora. Mais vice-gouverneur, c'est qui d'abord? Et à qui a livré un service, ya Redoka, ya Aner, ya Okatanga. Bakangie. Bakangie. Pour avoir commis quelle infraction? Entre temps, le monsieur, même le Redoka, ya Okatanga, ya Aner. Fille en chef de poste, il y a un air dans l'aéroport puisqu'il connaît Madame Rose. Ah! Donc, ordre et vice-gouverneur. Non, mais ça se dit. Wane Zako Fingi Samokondi. C'est pourquoi lobby est Tetu Kakinga, puisque je ne peux permettre quelqu'un à saper image à Fatih Beton, à arrogance, à na clientélisme, à na trafic d'influence inutile. Un vice-gouverneur, Moutouba Pona, na Mawa. Jacques Yaboula Kouta Sala Bongo Tenan.
Bah ministre tout tamboli na bango. Bah ça n'a pas quelqu'un fait arrêter un chef de scar. Un vice-gouverneur mon toi pour na kana mawa. Un chef de scar. Parce qu'il y a ça. Bah benga ango bah benga coulistier. Bah matabis. Bah matabis. Tango bah vota kana bulletin. Il n'y a pas une rubrique que balobi bulletin bah vota kana vice-gouverneur. Attends le bakolo bah vice-gouverneur mon bakomi comme benga bah burugumi bah gouverneur full. C'est pas la sorcellerie. Gouverneur full ou tout gouverneur. C'est pas la sorcellerie. Le gouverneur full. Gouverneur full. Gouverneur full. C'est pas la sorcellerie. Oui. On ne vote pas un vice-gouverneur. Il n'y a pas un ticket du vice-gouverneur. On vote le gouverneur. Tu n'as même pas de privilège. Et à ce niveau, c'était scandalé. Tous les reports. Et d'ailleurs, le vice-gouverneur ne dirige pas. Tous les reports étaient choqués. Oh, bah comme tu as la bataille union sacrée. Bah comme refusé la tissée. N'est-ce pas ça? Le gros loin à Tata Oyo. Et bon, bon, le vice-gouverneur. Maître Peter Kazadi, j'ai dit Excellence, il faut voir ce qui se passe là-bas. Tu as convoqué qui bloque tout ça. Bengi gouverneur Kiaboula. Bengi gouverneur Kiaboula. Tu as un bâtiment mon aïe. Aïe, un gars à téléphone. Là, je l'ai dit. Monsieur le gouverneur, vous avez un bâtiment à téléphone. On ne vous appelle pas pour vous réclamer de l'argent. Mais il y a aussi des nécessités qu'on peut vous appeler pour vous informer pour arrêter l'hémorragie d'un fait. Au tali à Joe na yo ibisa bitata o ezali abus de pouvoir. Au kangaye yo ye na R na yo batu msusu wana ba vanda po za vice gouverneur me loue un jet son pa yo avion et voyage quand tu veux. Mais c'est quoi ça? Osa convoqué, vous saviez que vous allez voyager pour venir à l'aéroport, tu viens quand tu veux et ongi batu nso ba se soumettre na yo. Biloko wana ndebiso toboy na régime ya Fachi, ba tout puissant, o baza kuluka ko mate la batuna li koshi, puisqu'il y a za X, za Y. Je suis des conseillers du président de la République, je suis dans le cabinet de VPM, je suis Oza Moutou, Oza Congolais. Ce que le Congolais attend de vous, Eza Misala, résoudre leurs problèmes, mais pas de ouin 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 ouin, na yo c'est excellence d'elle. Excellence, c'est celui qui excelle dans le bon et dans le bien. Très bien. Je suis gouverneur à Fouadji. C'est comme ça. Pour la Kinshasa, la jurisprudence, bah, quoi, ça déjà vice-gouverneur. Nerombungu, quoi, ça est bon. Vice-gouverneur, la loi, il y a ma Kambouita et ma province, Aza la compétence. Aza même pas la tribution. Aza la gestion. C'est un huissier, il y a gouverneur. Exactement. Gouverneur peut dire, je ne laisse pas mon intérim dans le vice-gouverneur, il est le ministre intérieur. Tu es là, inutile. D'ailleurs, ça poste la bourgeoisie. Tu manges au filé, tu dors au filé, mais ça, il y a un peu de temps. Et voilà, c'est pourquoi on est là. Mais ça, il y a un peu de temps. Mais la Kinshasa. Moi, c'est comme ça, les gars, la balabala. Ok, d'accord, c'est ça la rubrique. Il n'y a aucune attribution dans la vie de Kinshasa. Et gentiment, comment utiliser Moussa, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Vice-gouverneur. Vous jouez avec les gens de sur quoi? Tu as quoi comme attribution toi? Patika! Data! Bozonga Batou! Bozonga Batou! N'importe quoi, vice-gouverneur. Bozonga Batou! Le quel est un photo vice-gouverneur? Vice Tumbana Banti Valère, Tokoti Kabino Tranquille. Milolo! Milolo Fati! Milolo! Les anti-valeurs! Congo Bololo! Milolo Bololo! Milolo, ça a la goût! Et ça a la mort pour le moment où ils sont à santé, des babis. Babilolo, il y a Fati. Tokolo Banayo, Tolia Kepanayoti. Un vice-gouverneur qui ne séquestre une dame. Non respect dans moi si. Yo Zanan. Ce qui dit Kassaye, Boye, Oba Kassaye, Bachosi Fierabas. Tala, c'est monsieur. Il n'est pas même Kassaye. Il est des tribus. Et là, je n'ai pas vu de Katangé dire non. Et même la dame là qu'on a séquestrée n'est pas Kassaye. Elle est Katangé. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Et Kiaboula ne fait même pas un communiqué. Vous êtes complice, c'est Yoko Tabakoma le besoin de Moïse. Bon, mais il y a vice-gouverneur. La réunion, nous sommes ensemble à Zalak. Ah, mon Moïse. Pas ça, ensemble. Ah. Quelle bonne information. N'a rien de ça, nous ensemble. Hein? Bah, tu as Moïse. Oui, Moussa, il y a beaucoup de saboteurs. Bah, puisqu'on le voit tout le temps à Kitang. Ou à Zalana branche, on a Bajina fait que Batia Batunabasa. Puisque tant que vous avez créé Maswana, c'est qu'il y a une terre Batunabasa qui n'a l'oumbashi. Et sa méthode. Puisque méthode, vous avez commencé à confier la coffre. C'est que Batunabasa va trouver la Bassa qui sait que ça vise gouverneur. Il y a un système là-bas. Il y a un système, il y a coffre, sac, c'est presque la même chose. Mais coffre, non sac. Et bien, le coffre. Et bien, le coffre. Osa sacré, au sacré.
C'est pas la bonne chose, Ndeko. Il faut arrêter ce genre d'orgueil. D'ailleurs, aux Oyens à Kinshasa, tout ce que nous disons, le service va vous attendre pour ça. Comment torturer une dame? Vous torturez une femme, ayez du respect. Non, moi, c'est pas possible. Non, mais moi, je n'ai pas qu'on maltraite la femme. Et là, on a un peu de la rater. Puisque moi, quand j'imagine... maltraiter une dame. J'imagine... Maman, 9 mois dans les bouts. Vous allez la placer dans les bouts. Maltraité. Quand j'imagine, par la difficulté de mon père qui était enseignant de l'école primaire, ma mère devait vendre l'otoko tobenga ka gene. Maman, c'est qu'il n'y a pas de... Pour la tanga. Pour la village, c'est insignifiant. Il faut ajouter le sou dans l'otoko pour que nous ayons un internat dans un petit séminaire. Ouais. Alors, chaque fois que je pense à ça, tu touches à une femme, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Bah, tu c'est un mercenaire de vice-gouverneur. C'est un mercenaire. Ah non. Ma mère est sacrée. Oui. Ma femme est sacrée. Mes filles sont sacrées. Là, on ne touche pas. Et les autres femmes, nous devons respect Nabasiwana. Au vice-gouverneur, vraiment, il ne faut pas exorciser. Il faut l'oukabatou, pas exorciser. Vice-gouverneur Kaboul. Est-ce que gouverneur... Jean-Claude. Est-ce que vice-gouverneur Oyo, à cause de la bapiria, batia qui est ma boque pas en bongote. Puisqu'en bongo, soit tire le boque, c'est encore l'olive, n'est-ce pas, tiaka chadari, le boque, on a moutoué. A foule, mon pépé, a dit babé. Et via chadari, béba, parti, tango, olive, a tiaka, le boque, a zo prié, n'a tango, a campagne. Tire le chadari, comment m'y tenga, le bongo, le boque, olive. Ah. Vice-gouverneur du Haut-Katanga. Alors, tika. Pour nous, image à vice gouverneur et au Katang. Na outi kaiti. Puisque il faut que l'union soit tika banti valeur. Toko la kisa yo. Na bino babiro de. On va trop. Ba méthode wana fati a boya. Ba cachon clandestin. Bon, là, c'est on a vu la vidéo. Ah ouais. Ah. C'est là, dans ça, tu as qu'à pointer aux éléments, puisque l'image est alliée, belle. Bah, tu fais pas un vice-gouverneur. J'y sais, bah, comment on a eu. Comment on a eu, j'y sais. Jean-Claude. Tu sais déjà 17 minutes. Quand on a vice-gouverneur. Quand c'est pas la patte. N'a pas tenu sur la méthode, on a un dirigeant criminel. Pas la patte. C'est quoi ça? Comment elle peut choisir la femme? Fatih, tu es mort à la question qui a 6 semaines. Puisque moi, j'ai vu Awa na Kingabwa, n'a pas de dossier à la Kiawa. Fatih, à l'objet, ce qui a tiqué maintenant, n'a pas de dossier à maman. Une dame à remplacer. Mais vous avez un vice-gouverneur, on a aucun temps, monsieur Jean-Claude, à Zotchabatou, dans le coffre. Une dame qui travaille encore. Une dame qui travaille, c'est plus que la valeur ajoutée. Non, il faut qu'on. Parce que moi, c'est accompagné à l'État. Ou Zupé ou Tchéna privé, mais privé, on a facilité les lots. Comment est-ce que c'est ça? Mais ce qui est c'est ça, ils ont le sous-souté. Mais Batia Boma, on a un Deuxième, il y a une arlette, il y a une arlette. 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 Il y a présentement 4 mois presque dans la prison. Dossier vide. Dossier vide. Il y a un bon. Après, c'est l'autorité morale. Mais il y a un temps. Il n'y a pas coopéré. Il y a un bon. Il y a un bon. Il y a un bon. Viens d'aller. Il y a un bon. Mais comme ça, la lettre était. C'est quoi preuve ça? Maladourette. Il était bien, il vaudrait. 400 000. Il y a un papier sur les matins. Caméra, vidéo, vidéo. Mais c'est pas vidéo, il y a moi, non, si on a. Il faut vidéo et quand la politique. Vidéo, il faut quand la vidéo et quand la politique, pour toi, il y a un bon gagnant, il y a 1 million, 2 millions, 15 millions, qui n'a qu'à voir. Pour moi, il y a un coufi. Vidéo. Il y a un bon gagnant. En tout cas, tu m'as soussou. Tata Kassongwana, un pilote expérimenté, n'a poto. Pilote expérimenté, n'a poto. Atiki Moussala na poto aye na Congo pour asunga Congo. C'est pourquoi il faut payer. Mais par contre ici na boloko na ko le dossier est vide, je te dis. Batu batin d'arabiso na baliste. Le problème ba na Congo ouest. Baliste o ngamtu na commission bourgmestre, ngamtu na commission ministre, ngamtu na commission DG. Et au commission on est redevable pas na ye. Ya ya zela, on rappelle ngai loko. Ah papa, chatchela nga lettre oy. Lettre moni oyo, bourgmestre Yakalam, réhabilité, suspension levée.
Charlie, Charlie, il n'y a pas trop. Mangro Cotovier. Il dit ça. Azo, qu'est-ce qu'on a poste? Azo, il a poste. Ah! Bon, on a contribué. Nous avons fait notre travail sans état d'âme. Vieux Charlie Louboya, bourgmestre à Kalamu, à Zongi. Nous sommes en Kanda, il y a un grand. Il y a un mot à signer, lever la suspension pour signifier Yango Charlie Louboya. Nous n'avons pas de bon document à côté de notre téléphone. Nathalie, je suis sur mon bando. Nathalie, photo, mon bando. Voilà. Yeah. Nous saluons. Viens à Zongi. Nous saluons la commune de Kalam. Voilà. Et Samy Bamouin, qui a fait l'intérim pour Debo, puisqu'il était chef de bureau. Voilà. Puisque la commune de Kalam est un vice-gouverneur. Mabouena. Et Zaka Kayewana, où le reste, et nous la c'est bon, maintenant, tu peux te dire la Kamoussos. Bah, DG. Insécurité à Est. Bah, chef d'État, par contre, il y a des sous problème de la Kamouana. Sur place, on est à Pékissi, RDC. Monesco Azonga, mais Tolobina M23, Bazonga, pas la Rango, Tolobina Rwanda, qu'on soutenait le Soussou, M23T, et en plus, il y a FRDC, qu'on travaille sous la FDLRT. Je ne comprends pas le connaissance. Écoutez, bon, il n'y a pas une question d'imbroglio. Moi, je dis tout simplement que le gouvernement de la République, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble, il y a gouvernement congolais, nous devons être. Devenir intransigeant quant à ce qui concerne la règle, la méthode, la prise de décision, n'a concerné, n'est-ce pas, la politique nationale de l'État. Puisque le problème, où est-ce que ça l'aima, et il y a où est-ce que ça l'a que problème est ça l'aima, c'est que, n'a briefé avant de répondre à la question. Vous savez que DG Yasnel Sispandi a été réhabilité. Les enquêtes, je sais comment je réponds à cette question. Les enquêtes à ma possession, dans le domaine, il y a lesenquêtes.com, on a sillonné maintenant le couloir. Il y a prise de décision pour voir de quelle manière le DG a été réhabilité. Non, les Américains. Puisque la Banque mondiale a toujours eu la direction un Américain. L'FMI a toujours eu la direction un Français. C'est comme ça que ça se succède de Christine Lagarde, de Dominique Foscane à FMI, et de l'autre côté, il n'y a que des Américains qui en dirigent. Ils conditionnent investissement à Bango Nasnel, fonds à Bango et à soutien à projet à Katia Snell par l'individu Lucinde. Et les plaidoyers auprès du président de la République, auprès d'Amboso, puisque c'est de là l'initiative, Bako Longo la soutien à Bango et financement à Bango à 80% du finance de la Snell. Si et seulement si Lucinde n'est pas réhabilité. Beaucoup pèse à Mutumbongo, beaucoup pèse à Mbongo, pèse à Ophelete, nous payons ça. Vous vous souviendrez de la procédure d'allègement de la dette. C'est de l'argent que nous repayons à la Banque mondiale. Yo déficit d'abord, Nyongo, au tiers pourcentage, dans le colo, et vous commencez à me conditionner, Mutonga, Naza, vous trouvez incompétent dans la manière de diriger la SNEL. Vous pensez qu'il est compétent par rapport à vous. Qui évalue le travail de celui-ci? C'est celui qui donne la dette ou le Parlement congolais a enquêté, qu'on évalue, qu'on vérifie le gouvernement, le mandataire public. Vous nous donnez l'argent, vous nous imposez. Est-ce que la MONUSCO, au nom de la souveraineté, tout comme Banque mondiale, tout comme FMI, où est la place et la souveraineté de l'État congolais lorsque vous arrivez même en interne pour soutenir des individus qu'un Parlement a sanctionnés? Où est la souveraineté? Nous, État congolais, nous avons accepté que la MONUSCO vienne chez nous puisque nous sommes membres des Nations Unies. Nous vous disons de partir chez vous. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Respectez notre souveraineté. Lesquels de pays y a monde où on y a tia kimia? Dans la jurisprudence depuis 1942, aucun pays du monde n'a été bénéficiaire de la paix amenée par la MONUSCO, les Nations Unies. Aucun pays du monde, la Somalie, va se retirer de Guinée. Wapi. Qu'on commence de chaque point du monde où il y a des conflits. Au Darfour, au Soudan, en Centrafrique, au Tchad, au Mali, en Libye, en Irak, en Afghanistan,
ou au Pakistan, dans quel coin du monde où l'ONU a essayé de mettre la paix? Au Nicaragua. Ou à l'ex-Yougoslavie, puisqu'il arriva même à Yougoslavie, on a mis l'État sous tutelle. En Ukraine et en Russie, que l'ONU a réussi d'installer la paix? Non. La paix est le fruit personnel d'un État par sa capacité à imposer la paix, à rechercher la paix et à faire de tout son possible pour ramener la paix. Nous disons que la MONUSCO, c'est une merde. La MONUSCO, c'est un symbole de la mise sous tutelle de l'État congolais qui ne peut être soutenu par aucun Congolais consciencieux. Allez chez vous. Partez. Laissez-nous. Si nous allons nous entretuer, d'accord. C'est nous Congolais qui mourrons, c'est nous Congolais qui vivrons, c'est non pas un blanc. Combien de fois n'a camion, n'a bango, n'a badank, tokuti, ba minere, n'a biso? Oui, mais depuis, ba komia, ba komaka, lelo, ba komo, kende, 22 ans en mission. Ba tigel biso, ba batar, lo, kwa, Moïse, katumbia, oué, belé, ba meti, ou, ba batar, amonisko. Ba, ba mike, mike, ba zanga, tata, ba oko, le, pa, koko, ba tata, na bango, ka, ba monisko, wana. Et l'homme, nous nous battons, n'a des pères et des mères, tout ce que vous avez, n'a pas n'a eu, tout le temps, ceux qui Ghanéens, ceux qui Pakistanais, ceux qui Afghans, ceux qui Nani, ceux qui Marocains, ceux qui Égyptiens. Depuis tard, William, la C-Swing, Batar Boni, Babota, Mina Monisco. J'arrive à Kana, Nata, tout ça, qui n'a eu, et puis, elle m'a dit, on est un secret. Elle m'a dit, Kaka, Bino, elle m'a dit, Nata, Tambola, puisque si c'est chez moi, je suis à l'aise. Papa. On m'invite. N'allez qui n'anga. N'a koutu api. N'a kati ya siège ya MONUSCO ba organiser soirée. De koto kina kana boutou an. N'a kouta bat. N'a bi kia. Non, vous katza mena lingaki. Ces gens viennent pour le maintien de la paix, mais c'est pour des soirées avec nos petites filles, c'est ce qu'il faut ici. Yo peu zaga ma petite fille. N'a la yebwa bindanza manga kana mona pou na yebe lo kwa koloba. Yo sko kina yina nani. N'a le kinanga mwasi. N'a kine na Germaine. Oui, c'est kine na kine na Germaine. Na kenena sebel tout long tout note papa gante mwana kaka rani ka gims yo tuna ka mtuna na gims azalaki alalaki alaki te gims amona kile kinanga le kreo la tege la tege robe ni ala taki jeep na complet na très bien habillé puisque les cadres comme ba basi mtuna na soirée mbala tende na ibisu na banuta la misu kutute na banuta ka lungi na sepo ma ku detailler za te mon frère pardon ba tu mikolo ba la dabisu ako detail biloko la bola kibana te. Est-ce que c'est insupportable? Notre ami Seigneur Jésus. Je comprends bien. Et puis, il est c'est bon. MONUSCO, vraiment, pardon. Ça, je vis. Et ça, l'histoire, je vis. Ouais, ouais, ouais. MONUSCO. Je vous dis, na DJ na kati, na kati en clou à quartier général et à MONUSCO. Yo mon vidéo na ba on a mis tout kati. Bah ton étage. Scoupé mignon boy pour me la biso. Pe angon de boy pour tirer la biso babata. Alors quand vous nous dites. Balé que bakatumbi, balé que bamoyambo. Tolobi na Rwanda. Bolobi na Rwanda. Bitakuira. MONUSCO est à Oni. Bitakuira, vous êtes en mesure de sanctionner Bitakuira. Bon, voter ma sanction, le petit-fils de sa mère est sanctionné au Alobaka. Mais, oyo, vous avez un rapport, dans ma conclusion à Nations Unies. Et l'autre côté, vous lui dites, c'est de bonne foi, entre-temps, les rapports à la société civile prouvent que M23 vient de requitter des jeunes Congolais, d'abord, et il a obtenu un renfort de 3 autres 1000 hommes pour attaquer l'aéroport de Bukavu et prendre l'assaut sur la ville d'Uvira, au Sud-Kivu. Et Balingiba lancé simultanément l'attaque offensive dans les zones où on les a délogés et recommencer encore dans Sud-Kivu. C'est puisque le Rwanda n'est pas secoué par les conseils de sécurité. Si on a sanctionné la Russie, si l'Europe tout entière, Sangisi, Bachar, Mindouki, financement, on soutient l'Ukraine, je me demande qu'est-ce qui anime la communauté internationale de ne pas appuyer un État responsable qui est agressé par un autre État. Quelle est la raison? Et pour nous, pourquoi aller dans la complaisance si ce n'est pas de mettre tout notre arsenal d'argent dans un avion, dans une bombe, dans un kamikaze? Pourquoi ne pas fabriquer des kamikazes pour commencer à exploser chaque jour les villes de Kigali et toutes les villes du Rwanda?
pour ne pas exposer le palais de Kagame? Pourquoi ne pas marcher sous le posement de M23? S'il y aura des Congolais qui vont mourir, on regrette. Mais néanmoins, tous les Congolais ne mourront pas. Bombardez là où ils y sont. Ceux qui vont mourir, oui, ils sont victimes. Mais c'est ça, la guerre aussi. Dans la guerre, il y a des gens qui sont blessés. Il y a ceux qui meurent, il y a des survivants. Et avec les survivants, on va reconstruire le pays. À l'état où nous sommes, on doit accepter tout. Et la méthode qu'il faut, s'il faut compter pour l'État, la communauté nationale pour tout éradiquer Rwanda, n'attendons pas ça. Frappons. La voie de la guerre reste la plus plausible. Et Jean-Pierre Bemba, quand tous les Congolais croyaient en lui comme ministre de la Défense, on s'attendait que celui-là ne vienne pas pour la complaisance. Je pense qu'il commence à devenir bureaucrate. Bemba. Ouais, oui. Ça, je le réveille. Tout le monde n'attendait pas d'un Bemba bureaucrate, mais un Bemba chef de guerre. Un Bemba ministre de la Défense, un Bemba Nyamane Tumba. Son gambiro avait ta caricofité. Ah, comment ça, là, rapport avec non, le ministre? Ça, tu comme bureaucrate, comment ça, qui Patrick Mouyaï? Wanate. Il faut ça, le terrain. Papa, terrain n'a pas ordre. Oh. Mais ministre de la Défense, c'est une bête à m'associer. Ordre, ça veut dire ordre. Puisque soldats, ça, par exemple, exécuté dans l'autorité civile qu'est militaire. Et puis, si on a exposé, on a exposé. Si on a dit que 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 on a dit ça date des jours où on a dit que et Salim Moussala. Bah que on a permis. Pendant combien de mois? Entre temps, il me fait 3 ou 7 ans. Non, ça ne va pas. Ces avions ont été payés et nous dépensons des millions pour la République et c'est pour la sauvegarde de la souveraineté et de nos frontières. Et quand cela est menacé, ces avions doivent être utilisés. C'est le moment où le Rwanda doit plaire énormément et enterrer ses morts. Mmh. Ah oui? Moi, je vous dis, chaque Congolais qui tue un Rwandais ira au paradis. Non, non, attention, attention, attention. Moi, je continue à appeler ça. Je parle de... Chaque Congolais qui tue un ennemi M23 ira au paradis. Je parle du Rwandais. Non, nous parlons du M23. M23, il y a aussi des Congolais dedans. Oui, mais parlons du M23. Non, non, moi, je Congolais M23 n'est plus Congolais. Non, non, j'insiste, nous n'avons pas de M23, nous avons la guerre contre l'armée rwandaise. Et s'il s'agit de l'armée rwandaise, des citoyens rwandais, je n'ai pas, puisqu'ici beaucoup prêtent à confusion, ces rwandophones qui se congolisent ou d'autres rwandais qui se disent être congolais. Je ne suis pas en train de faire allusion à ça. Je parle du rwandais, de Paul Kagame et ses hommes. Puisque les rapports, vous l'avez fait dans votre émission ici, démontre que le cerveau de cette coordination, c'est James Kabareb. Alors, si un Congolais tue James Kabareb, ou les hommes qui travaillent James Kabareb, quel est le problème? Si un Congolais tue Kagame, si un Rwandais assassine Kagame, ce n'est que justice. Si un Rwandais venait à faire un coup d'État au Rwanda, ce n'est que justice. Et ils sont lâches. Nous les avons tendu la main. Le président de la République a dit que les Rwandais sont nos frères, mais nous luttons contre le régime belliqueux de Kagame. Et il a tendu la main, ils ont besoin de notre aide pour se débarrasser de Kagame. Depuis quand ils ont répondu à la main tendue? Des Rwandais qui veulent un changement au Rwanda, bien sûr, ils peuvent utiliser le Congo comme leur base arrière. L'ONU plutôt, l'ONU Azo Pekisa, FRDC, Bassala Moussala, ensemble, là, FDLR. Est-ce que l'ONU a-t-il contré Kagame pour appeler Kagame à un FDLR, c'est quoi en fait? Et j'ai l'impression que l'ONU parle le même langage avec Kagame. Mais bien, bon, c'est la complaisance, mon frère. Qui a fait la communication pour expliquer qu'un 23 ans à Mindou qui est le Kina ONU? Ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies. Tant que tu as dit que nous avons la guerre, Mindou qui est M23 total, tout le monde est en ligne. Puisqu'on est en contact avec les hommes, il y a un FARDC sur le terrain. Nabazalendu, nous avons tout. Quelle arme que nous avons vue sur le terrain qui dépasse ce que le Congo a? Rien de spécial. Alors, cette communication, c'est un objectif fini. Il y a un bang sa Congo, il y a un empêché de un affrontement avec le Bango Bazo à l'Est. L'ONU, c'est qui? C'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. Et ce sont ces hommes-là qui financent, qui donne l'argent et les armes au Rwanda. Comment on peut compter sur des communiqués d'un régime sanguinaire, tyran? La position de l'ONU vis-à-vis de la Russie par rapport à la guerre à Ukraine et la position de l'ONU vis-à-vis du Rwanda par rapport à l'agression de la RDC, c'est deux poids deux mesures, puisqu'on est africain.
Et comment on peut compter à des gens qui traitent d'une gestion de paix à deux poids, deux mesures? Non! Pour notre part, est-ce que l'ONU a-t-il contré le régime de Kigali? Il y a qu'on discute qui est FDLR. FDLR égale Hutu. Qui est le régime de Kigali? Égale Tutsi. Est-ce qu'ils ont contré un dialogue national entre les Hutus et Tutsi? Bisotosa 450 ethnies. Bango Baza 2 ethnies, plus le Ntoa, donc un pays composé de 3 ethnies. Mais le régime est mono-ethnique. Si vous dites qu'on ne peut pas les soutenir, on ne les soutient pas et ils ne font pas partie de la République démocratique du Congo. Ce sont des Rwandais. Mais qu'est-ce que la communauté internationale pour parler du retour de la paix au Rwanda pour qu'il y ait dialogue entre le Tutsi et le Hutu? La communauté n'en parle pas. N'en parle pas. Est-ce que tous les FDLR sont militaires ou il y a la branche FDLR politique qui ont si besoin de la paix au Rwanda? Est-ce que les Hutus ont un espace au Rwanda? Et la communauté internationale ne peut jamais penser à une autre communauté qui est marginalisée, les Hutus? C'est quel genre de discours de poids de mesure? Retenez que la... qu'est-ce que vous appelez? Le terrorisme, c'est quelque chose qui est condamnable, mais le terrorisme a pris la proportion et l'ampleur telle qu'aujourd'hui, c'est la frustration. Les États faibles et des personnes frustrées qui ne peuvent pas affronter l'Amérique, qui ne peuvent pas affronter le monde, ils s'explosent à minima pour faire attendre leur cri de ras-le-bol. Ce sont des frustrés qui deviennent. Et souvent des tueurs en série, ce sont des gens qui ont cumulé des événements, peut-être un Nenga Kolela. Et vous avez entendu un journaliste qui a résumé le comportement mental et médical de Paul Kagame, de le fait qu'il a grandi pauvre dans un camp de réfugiés, n'ayant de quoi manger et autres, sa mère, fille domestique, tous les parcours de sa vie, il souffre déjà du complexe d'infériorité. Et par mégarde, il est devenu chef de l'État, ils veulent rattraper les choses. Souvent, des gens qui ont grandi dans la misère maltraitent les autres quand ils commencent à avoir de l'argent. Mmh. Ah oui, je vous dis. Et ça, ce sont des événements qui lient la personne et à parcours côté à coller là. Et à vous, la délivrance est nécessaire. Très bien. Ah, combat et dépêche. Combat et dépêche. Il dépêche combat. Et combat et dépêche. Cholé à l'obi, aujourd'hui, il faut se dire que tout le monde est faible. Pour le faible, du temps de Kabila, il n'y a pas de soutenir. Mais il s'agit que les lobbies ont beaucoup de pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont besoin de soutenir les sous sautés. Dans le lobby, Cholé, oui. Dans une république, cet individu-là que vous appelez Cholé, ou prêtre, ou évêque, qu'est-ce que vous voulez, je lui rappelle que M. Cholé est un citoyen congolais. Et dans une république, quiconque, peu importe sa fonction et son rang, peut aller en prison. Ma pasteur, ma côte à prison. Nous sommes dans un état laïque. Et un pasteur n'est pas moindre que les prêtres. Tous, du point de vue de la religion, Baba Sali Antab. Du point de vue de la nation, Baba citoyen congolais. Des pasteurs vont en prison. Même le plus grand prophète du Congo a pu faire 31 ans, 30 ans en prison, arrêté en 1921. Il va mourir en 1951. Donc, 31 ans en prison. Pour avoir fait quoi? Rien. Puisqu'il a prêché Kimbangu. Il a réveillé la conscience africaine. Il a lutté pour l'indépendance de l'homme noir. Et Kimbangu en a passé du reste de son temps jusqu'à condamner à mort en prison. Aucun Congolais n'a jamais été en prison pendant 30 ans. Cardinal Malula s'est retrouvé en exil du temps de Mobutu. Aucun prêtre n'est au-dessus de la loi. Aucun évêque n'est au-dessus de la loi, ça chacun doit les planter dans son calme. Dans un état dit de droit, on arrête un avocat, un magistrat, même un président de la République, la Constitution a prévu des voies et moyens pour qu'il réponde devant la loi. Premier ministre ou n'importe qui. Que personne ne se donne en termes de soutane qu'il se permette de tout mot et de toute phrase au prétexte. Non. Aujourd'hui, il se range du côté des faibles. Alors, ok. Analysons maintenant qui est faible. La faiblesse, là, d'après Cholé, qu'est-ce qu'on comprend par la faiblesse? C'est le fait de ne pas être au pouvoir ou
Le fait de vouloir diriger le Congo, c'est ce qui fait de vous faible? Ou la faiblesse, là, c'est quoi? Si le Congo est faible par la pauvreté, par la famine et par la faim, des personnes qui sont en train de marcher avec les choles et Mbongo, les deux individus corrompus, achetables, n'ont pas contribué à la souffrance du Congo aujourd'hui. Katumbi peut n'est pas contribué à ce que le Congo est devenu aujourd'hui. Qui est à l'origine de du massacre, il y a SNCC, il y a Jekamine, il y a Sodimiko, il y a Okimo, il y a Miba. Qui sont ceux qui ont mis les entreprises phares qui donnaient l'argent au budget national et le mettre par terre, à remplacement de leur traque, de leur bourgeoisie? Alors, c'est le bourreau d'hier qui devient le faible d'aujourd'hui. Et opposant Baza Ebele, Toutingana yo na Lubumbashi, vous savez ce qui s'est passé le 18 avant au Kendebiso Tolaki na Nandolo, na Mama Maombi. Maombi ne tombera jamais. Toi là qui n'a Ndolo na intercesseuse nationale. Priant pour la République, ces hommes-là ont choisi d'aller à Kasobwe, tous. Et l'Église catholique n'est pas venue prendre une prière qui concerne l'État, le pays. Ils ont choisi leur camp. Une branche d'entrée, Bakende Kosambela na Kasumbale, ça vous connaissez la suite. Torakmela qui a Makambole Kaki. Pourquoi Siko Bakende Kosambela na Fade Naouzite? Puisqu'il est opposant, il est commandant. D'ailleurs, le président est libre. Il a été dans le lobby. Bangola, le président est le commandant du peuple. Pourquoi Bakende n'est pas commandant du peuple? C'est Mpiaka. Commandant du peuple, il a un franc, on peut sa bangouté. Les lois n'ont tout dit, on a un PVS, un habit. Pourquoi pas qu'il n'ait pas mousi tout de suite? Pour y proposer. Frank Diongo, écoute, on a un boloko. Pourquoi il ne parle même pas pour Frank Diongo, puisque le faible, c'est celui qui a un boloko? Pourquoi pas qu'il n'a pas délevé pas Frank Diongo? Mpiaka, Frank a un loco appelé sa bangote. Désachetable. Les racontes, quand on a Kingakati, Nanyoka, on dirait Olive, Eve, Nadam, na ne laisserait pas dans les jardins d'Eden. Donc, mon Mbongo. Nanyoka bazo sakana na olive. Et tika la ka fruits ala pembeno na po toko ki sa versé à Genèse. Kabila bon moto. Hein? Ambon bazo tinda etario. Mais non, c'est bien tobo. Yo mon image on projeta wat. Nyoka zalaki, olive zalaki image à Eve, ambon zalaki image à Adam. Ezanga ka fruits mbuma. Po bale mbuma. Nda to ala te Barnabé milingana al bagogoli mbuma. Ezanga ka mbuma la po versé à Genèse ko ki sa. Ale mbuma. Et au moment de Rango, Naka Sobwe Kaka. Mais pourquoi ma Kendaka et pas délice sans gâté pour y être faible? Parce que d'après, il faut pas poser ma fongola biso pour eux, les faibles, c'est Katumbi. On comprend. Celui qui donne un peu plus, c'est lui pour battre le Koso, battre Mite, Mali, Kundu, battre intérêt en Bongo na Sole. Et l'Église catholique, ce n'est pas ces deux individus-là. La Senko n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique n'a pas été à la carte. N'a citoyen Bosso à la carte. L'Église catholique n'a pas d'offre musique. On y a ce bas, c'est l'Église catholique. Martin Fayoum l'assemble à la mission. Et qui n'est pas catholique? Pourquoi pas que n'a ce pas y a baratité? Pour y a pas à mon plus soit catholique. À sa faiblesse. À sa faiblesse. On comprend. Donc, Frank Diongo a fort, Mbarte Fayou a fort, Adolfo Mzito a fort, les faibles, c'est là où ils savent tous les jours. Vous arrivez de Konangai. Les faibles, vous avez dit que vous avez soutenir Olive. Tous les kingai na yo na Kashamata, tant que vous avez dit. Vous savez ce qui m'a choqué? C'est que Kashamata, à partir de Balabala, nous avons la route qui va à Kasumbalesa. Jusque la frontière avec Zambie, ils ont la porte d'entrée. Il y a Zambie qui entre par Kashamata, c'est 87 km. Et la ferme, la concession appartenant à Kabila, c'est 87 km. Et là, toute sorte de minerais est dedans. Azoa ferme était place minéraise. Comment un individu peut s'auto-attribuer 87 km comme capacité à ferme? Dites-moi, ce n'est pas un pays. Si on construit dans 87 km, ça va sortir combien de communes? Puisque la ville de Kinshasa, Koutané, aéroport, Yanjil, Tipen, c'est 60 km. Mais il y a 87 km. 87 km, regardez la hauteur.
Aéroport Andjil, il tire un peu, il peine 60 km seulement. Mais lui, il faut ajouter encore 27 km. Donc, on l'équipe à Tadikiba, là, on l'équipe à Tendi, Tika Sangoul. Donc, au aéroport Tika Sangoul, ne katia mtumoko, dites-moi. Voilà le pango à Kabila. Le pango à Kabila. Babé, ça, c'est Kachamata. Ça qui est Kachamata. Et puis, ok, Nagoshi Nango, ferme espoir 1. Puisque Kachamata, c'est autre chose. Ferme espoir, c'est ça. Dans le même chemin. Ferme espoir, parte de là. Tu es quelque côté, deuxième ferme espoir, place à Koboko, la Bangoulou, na Bibouele, nae. Qui va jusqu'à la frontière à Zambie et à Bimaka Koti Nandago na Kachamata, Nzela Mutuka, consultant, ba consultant Basfalta, et il sort par la Zambie sans passer par Kasumbalesa, sans passer par Mokambo, sans passer par Sakanya. À côté Sakanini, qu'est-ce qui peut entrer na Kachamata? Qu'est-ce qui est gérable na Kachamata? Et bateau ba kolanda biso aner na Lubumbashi, biso aner na na Kasumba, mais si allez voir ça. Allez voir ça. Et il va parler quoi? Qu'il consulte à Kingakati. Oui, savez-vous, même du temps de Mobutu, si on a Mobutu, on a un hectare et on a une ferme à Moutindouana. Ok, on a Kiloluire, des concessions à 80 km même. Ok, on a Mouchak, des concessions à 80 km même. Ok, on a île de Mateba, on a bas Congo. Donc, Kabila Zoua, Congo, chaque coin, et il a fait une carte de type place minéraux stratégiques et Zali. Il a transformé place minéraire stratégique Ezali à des fermes de propriété privée de non-droit pour lui. Au cas où l'aéroport à Lubumbashi, ce qu'on m'a dit, moi, je suis allé à l'entrée à Kimbembe, au Tiki à Erogar, il y a Moulikap. Colotur, nous sommes à Bendo, ce qu'on m'a dit à droite, peine à gauche, tina péage. Toute cette concession a plusieurs milliers de kilomètres, concession appartenant à M. Kabila. Bah, tu sois le Kalumbashi, sois en train de voir ça. Et ce qui, président, on peut regarder ça au prétexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Na intention nini? Oya koloba nini? Posons la score somba sous nabi, na ma coche nabi, na ma toyo somba. Vous voulez revenir pour nous acheter? Aloba, c'est un non-événement. Moi, je préfère Aloba expliquer Bisso qu'est-ce qui a fait que Katumbama qui a koufa. Kabila père, Liwana et le Kakandengeni. Arma Tungulu, Akufa Koma. Chebeya, Azonga Aloba, pour Batanga qui est dans le procès Chebeya. C'est le moment où il veut parler, qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la mort de Chebeya. Et la liste est le log. Fidel Bazana. Daniel Botet. Daniel Botet. Bapou Amwamba. Il y a la référence plus à l'époque. Journaliste antenne A. Frank Ngike na Hélène Kangundu, journaliste de Sousse. Le vieux Frank Ngike. Qui nous parle de toutes ces personnes. Il y a même des événements qui parlent que Papa Wemba a été tué dans Kingakati. La mort de Papa Wemba, qui nous explique. Oh. Ça vous l'a dit? Papa Wemba. Professeur Mukena est mort comment? Gaïta Kakuji est mort comment? Le frère propre de Moussa Laurent Désiré Kabila. Général Bouki, Général Baouma, Mamadou Ndala, Mboudia Mabé, parle, explique-nous, tous ces gens sont partis où et comment? Éric Leng est mort de quel nadi, puisque tout le monde sait que Boando Gouela est Olive. Maintenant, c'est le moment de nous éclaircir la vérité. Sauf que Zalaki Olive ou toi, Zalaki Angote. Et il est mort comment? Où serait son corps? Vous l'avez enterré où? Bien parler de vous, direz ce maman si Fabota. Parle maintenant, nous dit ce maman si Fabota, toi, c'est la maman, vous allez ma congolais, toi, et pas la binon à Rwanda. Pour ma ébio, moi, na, Ipoli, et Christopher Kanam. Parle-nous maintenant, précise-nous, quand est-ce que tu es devenu congolais? C'est le moment de fixer l'opinion. Est-ce que, en 2001, par quel critère es-tu devenu président de la République alors qu'il n'était pas le chef d'état-major général? Bah, il n'y a qu'à na général Mounen Bawe Laganin, puisqu'il y a Zalaï commandant second, Joël, général Mounen Zalaï titulaire Naye. Bawe Laganin. Aïe, vous expliquez Bisso. Est-ce qu'il dit Kapel? A la taberi, a solo, tu as le coup de tapo à côté de Bolok. Voilà ma question. Ah, c'est les amis. Mbongo Katumbi a Melaye. Il a nu Mango Zalaba Fiboni. Katumba Goma combien? Il y a combien de Bawe Lagambongo à monter à moi? Ah, vous expliquez Bisso là. Allez, la réunion. A expliqué Bisso Bawe Lagani.
Oh là 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 là. A expliqué Pebiso, est-ce que via Shadar ndenge koma lelo mitelenga no boy. Ezan lo boko ya olive tendenga prier la kaina era ba campagne te. Wo wana ko sala lo gonso sunu. Olive ya connaisse te. Olive intercesseur te. Olive ata mama ki penda no te. A expliqué Pebiso. Olive ata mama maombi te. Mais Olive a vu quand même le bosseur battre sur Achi. Boutoutou, fou. Boutoutou, après c'est papa y a battu. Deux ans, on a mis les gens sur le monde. Il y a un Shadar a fané. A comme ministre Minene. Est-il le lovi na ye beba la politique? Aza sans avenir politique. Nicolo ya loboko. Loboko ya Olive. On ne donne que ce qu'on a. Entre temps, Olive a la tarababissé. Et puis, Batounio sur le théâtre, on va faire un Olive. Bapé la calsoute. C'est là. Tout, je vous dis, s'il y a des gens qui brillent en théâtre, pas de visage de Bavazagana Olive Natour. Olé à Zouakabango Mot. N'a pas journaliste de Bavazagana Olive Nyo se basé à confirmer. T'as n'en est pas plus l'aura de Benenga Koubouki. Il y a ce qu'il y a de Bumuna Pembe. Ah! Pembe à Mozo, on dirait quoi sur quoi? T'es lui, François, dans la salle, très bien. Eh, papa, encore la n'en était. Qu'il ne faut pas imposer les mains de quelqu'un avec précipitation. Il ne faut pas donner ta tête avec précipitation. Pas m'tounyo, son Seigneur, Seigneur. Bah, tu vois, papa, elle est beau. Kabila, l'Oba, Makambo, tous les autres, répondre. Azo consulter. Et c'est belé. A consulter. Aloba, que tu as qui état de commission de crise. Vous voyez, on dit, tant que c'est coupé, ben, gaga. Comité de crise, or, et mochi banda dirigeant. Parce que crise, on a la côte sa crise na FCC. C'est pas si bête. C'est pas si bête, crise. 4 ans, na crise, crise, pèse la kate. Mais là, on a levé l'état de crise. Parce que l'homme ne s'est pas expliqué, Bisso. Ce qui est Kabila a fait à il y a une famille qui a fait à Botaye. Il y a une famille qui a fait à Botaye. Il y a Mwazambala. A expliqué, Bisso. Il y a Ibrahim Alobaka. Ibrahim Kabila. Il y a un homme qui a fait à Botaye. Il y a un homme qui a fait à Botaye. Il y a un homme qui a fait à Botaye. Expliquez bien pourquoi résidence à Kabila na Kabila père na manono batongate entrer à Kimbembe batika la bakisa ta brique te moi na nion son dengo zaboye na kinde no kananga j'ai vu quelle manière tu entretenais les membres de ta famille ba parents ba yiki ko yambabiso bien sûr lesquels des enfants comme vous voyez un frère le père laisser la situation d'une maison laisser pas son père dans cet état pourquoi Mouzé abandaka service national oya kanya makase si ya boma yango. Parce que oya zata mwana muzete ala musi yango lelo. Expliquez biso, pourquoi bakuluna na Kinshasa otinda ka nyama bo mabango. E fatia ye apesi bakuluna musala kuluna komo bimisa lelo masango. Là c'est ce qu'on a compris raté. Hmm. Pona nini Azaria sobe wata mwe mwamba bazaba to basala guerre contre Mouzé. Bakoma ba pire ye. Bakoma pire Joseph Kabila. E banda ngeni. Bato soit disant ki bato bangone muto bombe sa papa na ye. Mhm. Est-ce que comment ngeni bazaba nani tout ça? Tamba mwamba ba bien avec personnalité. Personnalité à Nani Kusa. Et entre Tatambu Mamba a des racines burundaises. Azaria Surubero a rwandais. Quel est le lien qui les unit? Ce qu'il y a à l'ingraka étranger, ma casse beaucoup pour aller. C'est parce qu'il y a moko à rwandais. Ma question c'est pile. Et puis autour de Kabila, peut vous expliquer biso Zoé Loba qui que Bokota na famille a mousé Laura Désiré Kabila na 97. C'est Kalawala Bozalaki wapi? Kalawala Bozalaki wapi? Ce sont des questions qu'on attend que au Loba Bozalaki banana. Des fois, à l'objet, pour nous, nous sommes tous les Tanzaniens. Ils ont solo tout le coup. Révélation, nous sommes tous les Tanzaniens. Nous sommes tous les receveurs de la Bismoko. Et nous sommes tous les Dodoma, Tanzania, na Arusha. Receveurs. Et puis, nous sommes tous les écoles de l'automécanique. Nous sommes tous les mécaniques. Nous sommes tous les rejoints. Nous sommes tous les Tanzaniens. Dans l'Ouganda, avant que nous la conquête à Rwanda, nous sommes tous les Anselme Masasu Ndaga. Toutes ces vérités-là, c'est ça qu'on attend que tu nous éclaircisses aujourd'hui. Ma question c'est belle. Est-ce que Olivier Botana Eric Lenge, toi Kuta ya Botina on Eric Lenge te. Ce sont des choses qui encore répondent biso. Tu vois ma question là autour d'angai. Non, si akolobat, je lui donne la matière où ma congolais bala besoin ba yeba. Ouais, c'est l'état te.
tes avis. Il faut te dire, si vous comment gérer l'État et comme vie privée, nous sommes comme public. Tu vas la retirer. On retire. Vous savez, tu veux pas y voilà, retirer. Voilà, tu quoi avancer, papa. Allô, ba. Allô, ba. Tant que tu le labis, ma gamba, moi, chica, on a retiré à pour moi, chica, ça m'a signé. Et puis, bande père aussi, Joseph, le moins à pouvoir. Tombe dans ma table, le moins à signé. Et l'on va faire un canaille, parce que ça la caca à l'olive tobacabouana. Bon, il peut fixer bis, puis le bon olive à l'olive 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 à cause ça et puis et l'on sous soye bisaye olive à l'école que c'est un salaire à si tout kaki ma vérité bimi na presse à l'école et bako zoka 680 000 $ olive à kama pour y'a représenté ce qui 1000 ce qui 2000 la fin du mois est-ce qu'à partir d'aller au comment la qui c'est salaire nous sous zoaka tous en dingue pour sortir médiatique nous tout le monde olivier moko yo y'a kate est-ce que vous allez à la carte ou au ce sont des choses Kabila vous expliquez biso. Est-ce que vous n'avez pas entré dans Olive? Vous êtes à la théâtre, vous êtes à la théâtre. 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 Vous êtes à mais tout le Congolais savent qu'il a une femme chinoise. Même quand on balaka Olive, Azala a 4 femmes. Olive Azala qui est 3e parmi les 4. C'est comme le quoi. Mais c'est pas un problème. Mais Rugiza, tu n'as rien. Parce que moi, je Rugiza, je vais aller à la bonne. On va le voir qui est pour toi. Araïka Kawera. On va le voir. Je vais à l'école, ma samba kala. Moi, je vais à Rugiza, Azala qui est déjà là. Wana papa wana. Oui, na bale ko kiko. Rugiza azala ki bokilo na ye. Si kwa saki bokilo. Wana ngana ka saki ne papa olive lo. Eh, papa ya mwasi na ye ya liboso ava ba kuta na ava boto olive pa regling. Bilo ko wana ne to zo la kabila précisé. Tu kama mo Eric. Sa ye lo ko wana to tika masolo. Tu kama mo Eric Ling. Est-ce que mamzu na yo ka ki wabande ko beta bango makofi na kingakata sokulisa bango basani. Mais cela ne faut pas expliquer, vous savez, à bêta mêlé, comme ça, bêta vieux à clé, comme sousou, à bêta, Jacques Mbadou, Jacques Mbadou, à bêta et ma kofi d'après le sous, c'est teinté, Jacques Mbadou, à Kangama, à Koufande, à Bagina Goutique, à cinquantaine, au Gouébé, à Kouaïaka Mobile. Congo Central, le Sénic, à Via Kitika, gouverneur en fonction de Bagina Koundé, à Congo Central, à bêta et via Sanzi Makilanda à Koufa. Problème, non? On a dit qu'on a dit bango bongo te bané mignon so baso ba kumba qui va nemi à sa prof français galomba qui m'a gouna bambatate ah tout n'a pas tenu sauté y'a on a oublié katoum de akima kaya na katanga y'a pe bambata katoum y'a on a expliqué a expliqué bisa ando beta ba collaborate n'est pas ni amto bakanda amto bakanda Kabila osan de mythes. Il n'y a aucun Congolais dans ce monde qui est sous terre. Et personne n'a peur de vous. Il faut noter ça dans tout le monde. Si vous rêvez que vous avez mythe, vida. Vous avez vida. Vous avez vida. China Rambo. China Rambo, c'est un Nigérien. Il a surnommé. Mais c'est un assassin, un grand voleur. Il y a des gosses. Il n'y a pas de comme China Rambo. Donc à ce stade, ce que Chinaram, c'est qu'il y a des mamans à Pierre, à la République démocratique du Congo, détruit des plus grands nombres. Ngualima. Chinaram, c'est quoi Ngualima, la Lingala? C'est Kabila, c'est Ngualima. Bon, il y a ce qui m'a dit que je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Mais il y a une initiative qui m'a dit que je suis en train de me Kabila? Eh. On dirait que je suis en train de me faire. Il y a un malam qui m'a dit que je Kalambambouche. C'est tout. Ouais. Na grec 7. Et c'est tout. C'est quoi gouverneur? Bah gouverneur m'a dit qu'il y a m'a dit qu'il y a. Mais yib na mib. Na comme ma coopérant. Ma coopérant. Et là quand madame ya sala ngwana. C'est là où nous sommes différents, c'est-à-dire attaque il est le prototype du diable lui-même en personne. On va t'attendre ma wela ka okisha bo semba loba azali ngeime vérité. Nya écoute ya malam. Aza plus que ce que Christian dit. Nye yé koukou kouka ouka. Ma yam foula yé mi yango. Nye yango zanine. Eza damazo to liakati.
Neza Fufu, Neza Moussou, Neza Fumba, Neza Pondou, Neza Boudin, Neza Moussou, Boudin, Neza Moussou, Neza Moussou, Boudin. C'est ça. Neza Lone. Mais il y a plus que ça. Bon, on peut la sous Kalambambouche. Tout le monde a Kalambambouche. Le Kasaï central a 5 territoires. Dzimbelenge, Dibaya, Ndemba, Luisa, Kazumba. Chers compatriotes, chef-lieu du Kasaï central s'appelle Kananga. Oui, Kananga. Le Kasaï central a une route très importante. Elle s'appelle Kalambambouche. Cette route traverse deux territoires, les territoires de Kazumba et les territoires de Luisa. Kalambambouche a Kalambambouche village et Kalambambouche rivière. Mais Kalambambouche commence par où? J'ai dit ceci. Notre reportage commence par ici. C'est ici. Nous sommes à Benamatam. Dans le Kasaï central, début de la route Kalambambouche. Ça, c'est national numéro 1. Cette route nous amène jusqu'à Chikapa, qui est le chef-lieu de la province de Kasaï. Et celle-ci, c'est la route de la vie à l'enfer, Kalambambouche. Kalambambouche commence par là. La route Kalambambouche est impraticable. La population vit dans une misère qui ne dit pas son nom. Pas si Yamotinde Oyo. Bato, baza na péage na Kalambambouche. Péage à Kalambambouche, montant de motozo futamingi. Et 4300 francs moto et futi. Et ta yanzela, ils a pas si mingi. Bandeko, bazo tambour na ba vélo, bazo nyo koma pe na Yamotinde Oyo. Donc, pour une distance de 150 km, il a fait 4 jours. Il n'est pas encore arrivé à Mukana, c'est-à-dire distance de 150 km avec cette charge. Fufu, Namasango, Nangouba. Combien? 150 km. À Sali, 4 jours. Nous sommes sur la route Kalambambouche. 4 jours pour la distance à 150 km seulement. 4 jours. Donc, c'est la passe à Kosakanate. Jusqu'à présent, et l'autre côté sur Kalambambouche, la distance aussi de parcourir. Donc, si je suis à mon côté, à part ce garçon, Bomoni, Azo Bongisa, n'a pas où je vous dis. Mais le président avait déjà lancé les travaux de cette route. Nous devons vous dire la vérité, de la vie à l'enfer. Monsieur le Président, nous sommes obligés de transformer cette vie de l'enfer à la vie. Pas facile pour vivre dans un coin Oyo. Territoire de Kazumba, Bekol, ils ont un niveau nini. Bato bazo nyo comme un territoire Oyo. Je vous dis, bana bazo tanga na ba condition Oyo ko kanate. Monsieur le Président, le projet de 145 territoires. Et là, nous sommes dans le territoire de Kazumba. L'institut qui a plus de 200 élèves. Mais regardez les salles de classe. Territoire de Kazumba. Le leader ici, c'est qui? Le leader, c'est M. le préfet Franck Jean-Pierre. Non, non. Le chef du village. Non, pas le chef du village. Le chef du village est là. Il est tout près. Non, 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 je ne parle pas de lui. Leader politique. Leader politique. Bantouba, bah, mon ami, leader politique. Bantouba, je ne suis pas député. Bantouba, je ne suis pas député. Il y a quand même Badias. Il y a Badias. Il y a Manaba, Madia. Mais pour ce temps, nous avons encore honorable Kabongo. Mais Claudel Lubaya. Claudel Lubaya. Donc Claudel Lubaya. Institut. Voilà. Les enfants congolais qui peuvent faire quelque chose demain. Institut. Regardez dans les conditions. Oh, Bazotanga. Mais dis-moi, le drapeau de la RDC est là. Ça flotte ici. Donc nous sommes en RDC. Vous avez le drapeau de la RDC, nos compatriotes congolais. Au moment où les gens volent des millions à Kinshasa. Regardez, monsieur le président, comment vous êtes payé
par vos collaborateurs. Et nous, les enseignants, nous demeurons impayés à peu près 15 ans. 15 ans. Comment 15 ans. C'est depuis 2007-2008, jusqu'à maintenant. Monsieur Tony Mwaba, les enseignants ici impayés depuis 15 ans. Et 15 ans, Matata Ponyo était aussi Premier ministre. Oui, oui. 15 ans, Mouzito était Premier ministre. 15 ans, Tshibala fut Premier ministre. 15 ans, Joseph Kabila était au pouvoir. Oui, oui. Voyez comment les gens souffrent en République démocratique du Congo. Et nous sommes le long de la route Kalambambouji, de la vie à l'enfer. Patriotes, vous voyez vous-même les Congos. Ça, c'est ça les Congos. Les Congos, 145 territoires, les territoires de Kazumba, à quoi comme infrastructure? Jusqu'à présent, rien. Rien. Kazumba négligé, abandonné, monsieur le président de la République. Abandonné totalement. Totalement en tout et pour tout. Voilà. Donc, ndenge na vandi boye, na vandi na bureau. Bureau de l'EP Kabasele. Alors, Gims, la kisa bango bisika to yambela kaba. Batou bazoya na bureau. Ok. Bateau va se visiter, va couvrir wana, va côté la bureau. Donc ceux qui côté la bureau, au couvrir. Mon conseil avant d'y aller, avant d'y boire, dans un bureau, grande chef. C'est ça le bureau ici. Nous sommes dans le territoire de Kazumba, s'il vous plaît. Secteur de Miao. Claudel André Lubaya, qui est avec Moïse Katumbi, il est élu député national ici. Plus de 6 élus, chers compatriotes. Regardez la méchanceté des politiciens congolais. Les compatriotes vivent dans la misère la plus aiguë. La plus aiguë. Regardez vous-même les conditions dans lesquelles les enfants travaillent. Or, avec cette route de Kalambambouji, si elle était construite, on ne pouvait pas trouver les enfants étudiés dans des conditions pareilles. Voilà. Cette route, c'est de la manne cachée. On ne veut pas exploiter cette manne. Cette route, c'est de l'enfer au paradis. Le jour où on va construire cette route de Kalambambouji, je vous dis, c'est le paradis que les gens vont vivre ici. Vous comprenez? Et le Kassai ira de l'avant. Monsieur le Président, pardon, faites quelque chose. En tout cas, je n'ai pas assez. Je n'ai que 20 dollars pour Basomba Bakré. Merci. Bonjour. Merci. Enchanté de vous voir. $10. Donc on a donné 30 dollars. Pour Basson, on va répondre à l'institut. Plus de 200 et quelques élèves. Chers dirigeants, école primaire. Trouvez la solution, s'il vous plaît. Tolungwewana. Tokomina. Pont Lueta. Rivière Lueta. Cette rivière est Kaboli des territoires. Kazumba. Na Luisa. Alors, pon oyo e boukana déjà. Mituka ekosuka na Kazumba, mituka pe souki na ngambo ya Luisa. Bakiti si marchandises, ba memi marchandises na ngambo mususu. Casse-tête pona ba commerçant. Chers compatriotes, à 60 km de Kalambambouji rivière, Tokomi. Bon, mon rivière Yangoana. La rivière s'appelle rivière Kasai. Et ici, rivière Oyo et Kaboli, RDC avec l'Angola. C'est ici la frontière. Mais pas où on peut mettre le service de l'État et Bélé. DGDAZA déjà, ANERAZA, DGMAZA, la police AZA et consort. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout. Le marché, mais pas comme ça, la port. Il y a qui toque place Oyo. Ils allaient le bambou. Kasumbale, ça ne ressemble pas à ça. Mais Kalambambouji, c'est une grande route qui peut aider le centre kassaïen et d'autres kassaïens. Makasi Kitoko Mingi. Vous quittez Mbujima et par la route nationale numéro 1. Cette route nationale numéro 1 est commune à Kananga et traversée Kananga et vers Chikapa.
et Kalamambouge Pézu Yango et qui Kalamambouge. Avec une route moderne, Kalamambouge va aider le centre Kassai. Le Kassai central, même à Tabo Tchenano, chute Katendepemben, Botongi Kalamambouge, rassurez-vous qu'il va répondre à la difficulté du peuple congolais. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Sachez également qu'en 2014, Joseph Kabila avec Greg Seth, Moutouba Pasolanzela Oyomakas, Mitouka Ebaneko Kita, Ezo Sala, 13h, 14h, est commis dans Kalamambouge, et la vie était moins chère à Kananga. Oui, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, la vie est très chère à Kananga. Cette bouteille de 33 centilitres, Yamai, à Kananga, Ezo Tekama, na 3500 francs congolais. Bière ya mouké ya taille oyo. Ezo Tekama na 4500. La vie est trop dure. Nzela ezo salemate. Tokomi na Kalamambouge, tokomi kozonga. Tala balabala nengeza. Tala nenge tolobaki. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. En dehors de ça, pas si elle est qui. Nzela eza pas si nengo mon yango wana. Le gouverneur du Kassai central, il est l'agent, il y a blocage, il y a Nzela Kalamambouge. La société qui travaille sur cette route, c'est une société où il y a comme ça l'aventure. Monsieur le président de la République, qu'il vous plaise de trouver des solutions pour Nabandeko Oyo. Le Kassai central, les affiches électorales là où il y a quoi sacanaté. Les affiches électorales où il y a, bazo respirer kakayo fati béton, mais bazo souffrir ming. Chers compatriotes, commis sa vidéo et pas président. Le gouverneur du Kassai central est en train de détruire le président Tshisekedi. La société qui travaille là, ils ont la compétence mon côté, bangien limité, ma beleza ya poto poto, eza ya zelo. Monsieur le Président, vous êtes trahi dans le Kassai central. Kassai central, Koulela Eleki, pas si Eleki. Ciment, dans le Kassai central, 80 000 francs, pas si Eleki. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeah, yeah, yeah.